reçu le scénario et puis surtout quand j'ai échangé avec Stéphane, ouais, j'ai voulu foncer parce que je me suis dit que c'était un film qui était justement unique, qui était profond, tout en tombant pas dans un film de discours, parce que c'est quand même l'histoire d'un gars que tout le monde veut tuer mais personne ne sait pourquoi. Le film, ce qu'il racontait de cette violence ordinaire, de cette violence et de comment il joue sur tous les différents codes, film de genre, film de zombies, comédie noire, thriller paranoïaque. Enfin, il y avait quelque chose dans le mélange des genres qui me plaisait beaucoup. L'histoire de Vincent, c'est un déplacement et un déplacement vers la marge. C'est un personnage au départ qui d'ailleurs n'est ni sympathique ni antipathique, qui est quelqu'un qui pense être à sa place. Et ensuite, il va rencontrer donc Margot. Un personnage, comme diraient les chaînes d'infos continues, en détresse sociale, et il va la regarder comme peut-être il n'a jamais regardé une autre femme auparavant. Tu regardes ce qui va se passer. Et Karim, il a la dualité qui est idéale pour ce rôle. C'était l'accès à la fois à Monsieur Tout-le-Monde, mais il a aussi une vraie singularité. Et puis il avait cette chose burlesque, ce corps un peu maladroit, un peu gauche, qui essaye de s'adapter à cette étrange situation, et avec en même temps un visage impassible, un peu à la manière d'un Buster Keaton qui prend le train en route et qui, malgré tout, va devoir se démerder pour qu'il arrive à bon port. Alors moi, Lyon, je connaissais parce que je suis venu plusieurs fois jouer dans la région et à Lyon même. Et moi, je trouvais ça bien que ce ne soit pas Paris, parce que bon, il n'y a pas que Paris comme grande ville, et je trouvais que Lyon correspondait très bien à l'ADN du film. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une grande ville comme ça qui ressemble à une grande ville européenne parce que traversée par un fleuve, parce que les ponts, parce que les espaces, l'ancien qui rencontre le nouveau et tout ça. Et je trouvais que c'était c'est une ville très, très cinématographique et qui est hyper intéressante visuellement aussi. Puis ça tourne à fond, je crois, en Alpes et à Lyon. Donc je crois que le cinéma se porte bien à Lyon et c'est tant mieux. C'est une région où il y a aussi des très bons techniciens. Il y a aussi des très bons comédiens. Comme je connaissais les gens des Cinéfabriques, on a pu profiter ainsi de ce qu'ils appellent les alternants, c'est-à-dire des gens qui sont encore en études mais qui peuvent aussi participer à des tournages. Donc c'était très agréable de partager ça, bien qu'on ne fasse pas partie de la même génération. C'est un film que j'aurais voulu voir en tant que spectateur. Et des fois, c'est bien de faire des films qu'on a aussi envie de voir en tant que spectateur. Et vraiment, je suis hyper heureux de l'avoir fait. C'est un des films dont je crois que je suis le plus content, mais parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. T'as pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier t'en veut ? Ouais, ça m'arrive, ouais.